Pour commencer, Florence, c'est voilà, tout simplement de savoir avec quoi tu aimerais repartir de cette session, qu'est-ce qui est urgent et important pour toi, et je suis là pour te servir au mieux. Oui, merci Lingen. Bah, écoute, pour moi, ce qui est vraiment urgent et important pour moi, c'est de ne plus avoir peur de me montrer, d'être visible, parce que voilà, je suis dans une activité où finalement, bah, j'ai envie de connecter avec les gens que je veux accompagner. Et voilà, je pense que là maintenant, faut que je sorte de mes blocages là-dessus. Yes. Est-ce que ça te va si on rentre dans le vif du sujet, surtout que tu es dans le thème de la parentalité, on y va, cash? Oui, on y va, Ok. Cash. Qu'est-ce que tu aurais potentiellement vécu dans ton enfance, dans l'éducation que tes parents t'ont donnée, qui ferait qu'aujourd'hui tu as plus envie de te cacher et d'être discrète plutôt que de monter sur scène et d'accepter la lumière. Bah, j'ai souvent eu l'impression de devoir me faire toute petite, toute discrète pour ne pas poser de soucis. Est-ce que tu as le souvenir comme ça de quelque chose que tu as vécu dans ton enfance où il fallait que tu sois discrète pour ne pas créer de soucis? Ben, mes parents, ils se disputaient beaucoup parce que bon, ils se sont séparés quand j'étais petite. Et comme en plus, j'étais pas forcément désirée à la base, ben, du coup, j'avais l'impression d'être la cause de leurs soucis. Ce qui fait que ben, comme il y avait beaucoup de disputes, je me disais c'est à cause de moi. Donc moi, j'essayais de m'adapter, de pas trop créer de problèmes. À la fois, quand j'allais chez mon père, ben, je me faisais discrète. Et puis voilà, un petit peu dans toutes les sphères de ma vie, c'était comme ça. Donc, à la fois, j'ai ce côté-là très discrète, et puis à la fois, j'ai un côté qui peut, où j'ai envie de donner, je m'y suis plus à l'aise, par exemple, avec les enfants, mais je ne sais pas pourquoi, avec les adultes, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me montrer, d'exister, quoi, quelque part. Ouais, je comprends. Justement, avec ces enfants, à ton avis, pourquoi tu es un peu plus toi-même? Est-ce que derrière, tu n'as pas envie de leur faire passer un message? Oui, c'est possible. Tiens, tu vois, j'avais jamais vu les choses comme ça. Ben, le message, c'est qu'ils comptent, qu'ils ont de la valeur, qu'ils existent, qu'ils ont des choses super en eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose ouais, que j'ai envie de leur transmettre, leur communiquer. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'accompagne les parents parce que ben, j'ai envie déjà que eux-mêmes, en adultes qu'ils sont, ben, ils sachent qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont des choses à donner et qu'à travers eux, leurs enfants grandissent dans cette atmosphère de confiance, que leurs parents leur montrent qu'ils existent, qu'ils sont importants pour eux, etc. Enfin, voilà quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que ce que tu penses pour eux, tu le penses pour toi? Est-ce que inconsciemment et consciemment, tu considères que tu as de la valeur, tu as du potentiel, que tu peux faire des belles choses? Oui, je pense que j'ai du potentiel. En fait, d'un point de vue intellectuel, je le sais, mais dans les faits, j'ai souvent des blocages, en fait. Je sais que j'ai envie de faire plein de choses, que j'ai le potentiel pour le faire, mais dans les faits, ça se fait pas toujours parce que j'ai ce petit truc. Et dernièrement, en fait, on a eu un échange lors d'une immersion et j'ai compris que je mettais plus souvent les autres en avant, en fait, les autres en valeur. Que moi-même. Tu vois, j'ai déjà de l'émotion. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est plus facile pour moi de mettre les autres en valeur que moi-même, en fait. Voilà. Est-ce que c'est un travail que tu as déjà fait en thérapie, peut-être avec un psy, une psy ou pas? Oui, je suis. Je me fais accompagner et oui, j'ai à différentes reprises pas compris des choses, si tu veux. Et je pense qu'en fait, j'amène des choses, j'avance, je comprends beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pu t'apporter ce sujet. Pour autant, maintenant, j'ai envie de dépasser ça et d'être plus dans des choses concrètes, en fait, qui me montrent que c'est pas parce qu'il y a ça, en fait, que je peux pas aujourd'hui exister, si tu veux. Bien Tu sûr, vois? bien sûr. Je C'est pense que génial. ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est enfin, je suis contente hein, la thérapie c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui bah, j'ai besoin
sortir un petit peu de bon, bah voilà, il y a ça dans mon enfance et maintenant c'est bon, je suis une autre personne et ça fait partie de moi, mais j'ai autre chose, j'ai des choses à donner, à offrir et je veux plus que ça me limite en fait. Donne-moi peut-être un ou deux éléments de réflexion en plus pour que je puisse comprendre un peu le travail que tu as fait, si c'était à l'aise, pour que justement, après, avec plaisir, je t'aide à partir de cette session avec un plan d'action qui soit à la fois utile, écologique et à la fois qui t'aide à incarner pleinement qui tu es. Qu'est-ce que ces thérapies t'ont apporté comme conclusion qui pourrait m'aider à mieux te comprendre? Bah la conclusion, c'est que effectivement, j'ai toujours cherché à m'adapter partout où j'étais, que j'ai cherché à pas faire de vagues parce que ouais, voilà, enfin j'étais tout le temps en fait, j'ai pas voulu prendre ma place, j'ai pas voulu, enfin mais c'était une manière en fait de finalement, j'avais peur de déranger, si tu veux. Et aussi, bah, dans ma construction de vie d'adulte, en fait, j'ai souvent eu une mauvaise estime de moi. Mais ça, je l'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Et aujourd'hui, je sais que voilà, c'est, j'ai quand même évolué sur plein de choses. Mais concrètement, bah, là, tu vois, maintenant, je suis dans une sphère entrepreneuriale. C'est une nouvelle sphère pour moi, donc. Donc, j'ai d'autres challenges, en fait, à dépasser. Notamment, voilà, le côté être visible sur les réseaux et pas avoir peur de déranger, pas avoir peur de vendre mes services parce que mes services, je le voyais comme... enfin, je le voyais un peu, j'ai un peu la confusion entre qui je suis et ce que je propose, en fait. Et du coup, c'est comme si je le lis à mon identité. C'est un peu un mélange, en fait, sur... Ouais, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Oui, mais si, si, top. ouais. Ouais, merci en tout cas déjà de partager ça en toute vulnérabilité. Ça montre à quel point tu as envie d'avancer, ça montre à quel point tu as déjà fait un travail et je peux que te féliciter dans ce sens-là. Est-ce que tu en as parlé à tes parents de ce sujet? Oui, enfin pas au niveau de l'entrepreneuriat, non, pas du tout, mais j'en ai déjà parlé avec ma mère sur pas plus pour chercher à comprendre un petit peu dans mon histoire, mon chemin, pourquoi bah elle avait fait un déni de grossesse aussi, pourquoi enfin d'essayer plus de comprendre, mais c'est pas, je l'ai pas relié à ma vie d'aujourd'hui, si tu veux, parce qu'à la fois pour elle bah je fais plein de choses quand même qui montre que j'avance, enfin, dans ma vie, j'ai fait plein de choses qui montrent que j'avance, mais sans que j'ai toujours ce petit blocage. Et avec ton papa? Non, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler avec lui. Non, non, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être nécessaire parce que inconsciemment, sinon ça restera toujours quelque part de d'entendre clairement de la part de ton père te dire que non, en fait, tu le dérangeais pas ou au contraire que tu le dérangeais vraiment, mais que en ayant une réponse claire et nette, ça te permettrait d'avancer. Est-ce que tu penses que ça peut être utile ou pas? Oui, je pense que ça peut être utile. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être créer le moment, créer l'occasion qui est pas évident, un moment où il serait disponible, seul, à l'écoute. C'est En pas, tout cas, un exercice que je peux te proposer déjà, que j'ai entendu parler, c'est si tu peux écrire une lettre à ton père sans qu'il la lise, c'est vraiment entre toi et toi, mais tu l'écris comme s'il la lisait et ça peut être aussi un exercice que tu peux faire pour potentiellement aller discuter avec lui parce que le temps, il le prendra s'il pense que c'est, s'il voit, s'il comprend que c'est important pour ça. Oui, Cool. Donc ça, c'est un travail de fond. Maintenant, si on va un peu plus à un niveau entrepreneurial, tactique, stratégique, montre-moi, peut-être en partant de personnes qui t'inspirent et pour qui tu as une certaine admiration, dis-moi comment t'aimerais être entrepreneurialement parlant, idéalement, si tu n'avais plus aucune peur, aucune croyance. Et que tu étais totalement libéré de certaines de tes blessures,
À quoi ça ressemblerait ta vie entrepreneuriale d'un point de vue visibilité? Ça ressemblerait à, ben, en fait, je ferais régulièrement des vidéos où je me dis, enfin, où je, enfin, où clairement, ben, j'ai un message à donner, quoi. J'ai un message, j'ai, et, enfin, je me cacherai plus, en fait. Et tu vois, là, j'organise un événement où pour moi, c'est facile parce que j'invite des intervenants. Et c'est facile pour moi de les inviter, de me proposer de partager ce que eux ont à donner. Mais j'ai également envie de faire une intervention, donc ça ressemblerait à, bah, ok, bah, je sais ce que j'ai envie de donner et je vais le donner. Et parce que c'est aussi, j'ai aussi des choses à donner, tu vois. Et, Est-ce que du coup tu as prévu une intervention? Oui, mais tu vois, je Ok. bloque un petit peu. Mmh. Je bloque un peu sur ben, qu'est-ce que j'ai à donner, tu vois? Alors qu'en fait, j'ai plein de choses à donner, mais dès Mmh. lors que je réfléchis, ben, qu'est-ce que je veux leur dire ce jour-là? Ben, je sais plus, je suis perdue. Je Ok, sais plus. alors Peut-être parce ça que j'ai se trop de choses dans prépare la de tête, toute hein, je ne façon. sais pas, mais. Oui, ça se prépare en amont de toute façon. Il ne Oui, oui, s'agit oui. pas de venir sur scène et d'improviser. Là, par exemple, si on le préparait en express, ton intervention, qu'est-ce qui te tiendrait à cœur? Tu aimerais parler de quoi? Bah, de la manière en fait pratico-pratique en fait au quotidien de se connecter avec ses enfants, de se connecter à soi en fait, c'est-à-dire dans les échanges, les interactions, que des fois en fait on est trop speed dans notre quotidien et on oublie en fait que ça peut être des échanges simples et intentionnels, enfin de prendre le temps de se poser, ouais, de se poser pour parler avec ses enfants quand on a quelque chose à leur dire. Des fois, en fait, on fait mille choses en même temps. On oublie Ok. qu'ils sont juste des enfants, en fait. Et puis, du coup, ça demande aussi de se poser soi-même pour réfléchir à ce qui est important pour soi, ce qui est comprendre ses besoins. Parce que des fois, voilà, on attend à ce que les enfants, ils comprennent nos besoins, mais non, ils sont pas. Je pourrais Là, leur poser. imaginons que tu donnes cette intervention. Est-ce que ce serait plus ta tête qui parlerait, ton cœur qui parlerait? Qui est-ce qui donnerait cette intervention, ta tête ou ton cœur? Ce serait bien un mélange des deux. C'est-à-dire ma tête qui se dirait bah, avec quoi ils pourraient repartir, enfin quelles sont les clés concrètes en fait. Et puis mon cœur pour partager des exemples aussi que j'ai vécu peut-être. Et si tu devais uniquement faire une intervention avec le cœur et sans la tête, de quoi tu aimerais parler? De quel sujet te tiendrait à cœur, justement? Le sujet. Si c'était que mon cœur qui parlerait, ben, avant d'avoir des enfants, on avait un rêve, enfin, quand c'est voulu, hein, bien sûr, on avait un rêve, et aujourd'hui, si notre quotidien ressemble plus à une souffrance, en fait, c'est qu'il y a, là, c'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de se poser, et de voir qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce qu'on veut passer à côté de nos enfants, est-ce qu'on veut passer à côté de soi dans sa vie au quotidien? Et qu'en fait, bah, le temps passe vite et ouais, qu'il est temps de se poser. C'est pas là, sortir de la souffrance et qu'on n'est pas obligé de souffrir quand on est parent aussi. Ouais. Entre ces deux sujets, lequel t'aurais le plus envie au fond de toi de t'exprimer? Bah, t'as entendu deux sujets. Du coup, t'as entendu quoi? Le premier sur plus le rôle parental et le deuxième sur plus le rôle de prendre soin de soi. Ah, bah de prendre soin de soi, ouais. Et pourquoi tu partirais pas avec ce sujet plutôt qu'avec le premier sujet que tu t'as présenté? Bah, je sais pas. En fait, je pense que j'ai plein de sujets en tête. Et du coup, des fois, c'est difficile de choisir. Et qu'en fait, je peux partir simplement d'un constat qui est. Ben, des fois, les parents, ils souffrent au quotidien et puis c'est pas ce qu'ils avaient voulu. Et donc, partir avec ouais, ce côté cœur, en fait. Parce que c'est finalement, c'est Vas-y, ça vas-y. ouais, finalement, c'est ça qui fait que j'ai compassion des parents. C'est que. Et
Je te fais réfléchir sur ça parce que parfois, on a envie de compenser un manque de légitimité, d'assurance, de est-ce que ce que je vais dire est utile par des choses plus intellectuelles, pratico-pratiques. Et parfois, il faut le Oui. faire, hein. Mais puisque ton sujet de départ, c'est justement cette peur de briller, de te mettre en avant, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire d'une pierre deux coups, de faire une présentation où tu ne parles pas de selon telle recherche et Montessori, nanana, c'est vrai, ça part vraiment que de toi, c'est centré que sur toi, évidemment au service des autres, et que tu assumes pleinement que c'est un partage d'expérience, c'est un témoignage. Et par ce biais-là, tu peux carrément leur dire en mode Inception, bah, voyez ce que je fais avec vous là, c'est inconfortable, mais ça fait partie de quelque chose, quoi. Ce que tu fais est en soi une démonstration de ce que tu enseignes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, ouais. C'est ouais, je le reçois comme finalement être vrai, parce être authentique, parce qu'en fait, dans le quotidien, bah, des fois, on n'ose pas dire ce qui est vraiment au fond de soi, en fait. Et en le faisant, bah, j'autorise les parents à être vrais avec eux-mêmes, à parler de ce qui les qui ce qui les anime, ce qui leur fait, enfin ce qui les fait souffrir au quotidien, mais qui ne s'arrête pas, en fait ils ne s'arrêtent pas pour le dire, pour le voir et pour s'en occuper. Voilà, super. Parle-moi d'un rêve que tu aurais potentiellement, entrepreneurialement parlant ou pas d'ailleurs, qui est tellement inconfortable que genre t'en as même jamais parlé à ton mari tellement t'en as un peu honte. Est-ce que tu aurais ce type de rêve? Un rêve où j'aurais un peu honte. Ouais, ou tu dis non, mais là, les gens vont rigoler si je dis ça, donc je peux pas en parler. Alors j'ai, enfin, je sais pas si c'est un rêve, mais j'ai beaucoup envie d'aller vers les entreprises et de proposer mes services pour accompagner les parents d'entreprise, mais c'est pas un truc dont j'ai honte de parler. Ok. Alors, il y aurait quoi comme rêve? Tu vois, il y en a, par exemple, ils veulent faire une conférence à Bercy devant 30 000 personnes, quoi. Toi, est-ce que tu aurais ce genre de truc à toi? Non, pas encore. Non, j'avoue. Non, non. Attends, je pars de loin là. Mais Pense quoi qu'on prenne une petite minute juste de réflexion? Je te laisse une ouais. minute pour y réfléchir et tu me dis ce qui vient. Si Ok. mon rêve, ça serait de faire le. En fait, d'allier, de faire des sketchs avec mes enfants, ma famille, qui illustrerait des scènes en fait du quotidien de là-bas, ouais. Voilà. Et ce serait donné devant, ce serait une pièce de théâtre. Bah soit en vidéo, même en vidéo, s'ils sont ok, de faire des petites vidéos avec eux, de ouais. En fait, une fois, on avait fait un petit sketch dans un camp famille et ça, et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et je pense que voilà, parler du quotidien de avec eux, ça serait encore plus top en fait. Génial. Et ce serait quoi la portée de ces vidéos ou de ces sketchs? Ben, c'est de dédramatiser les choses aussi et puis de permettre peut-être aux parents de réaliser, de prendre conscience en fait de bah enfin, de sortir de leur tête, en fait, et puis de se dire, ah ouais, non, ah oui, ça donne ça, en fait, ah ouais, non, mais là, faut qu'on arrête Mais ou là. quel Ouais. parent et combien de parents? Ah, la portée en nombre de parents, je ne sais pas, là, tu me challenges. Je C'est le sais pas. concept du rêve, c'est il faut que ce soit un truc genre carrément inconfortable et où tu dis c'est même pas possible en fait. 1 000 parents? Je sais pas, Mille parents. là, ça me paraît pas possible comme ça. Donc, Ouais. Et quels seraient les bénéfices d'atteindre ces 1 000 parents à travers ces sketchs? Le but, c'est de repartir avec quelque chose qui t'anime vraiment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire un bénéfice pour moi ou pour eux? Ouais, pour toi, pour toi.
Alors pour eux, j'en doute pas, mais pour toi, pourquoi c'est important pour toi de réaliser ce potentiel rêve? Alors là, en cette session-là, cette concession, on va pas forcément pouvoir repartir avec un rêve précis que tu vas poursuivre pour les 10 prochaines années de ta vie, mais tu repars avec cette méthodologie qui est qu'est-ce qui me ferait plaisir, qui me ferait sortir de ma zone de confort, qui pourrait apporter de l'aide. Et en même temps, que j'aurais peur de faire, mais si je le faisais, je serais tellement heureuse et fière de moi. Ouais, c'est le côté m'amuser, prendre plaisir et le bénéfice derrière, c'est de me lâcher en fait, d'arrêter ce côté perfectionniste qui veut être sérieux, discret et de pouvoir juste exister, être moi-même avec mon côté d'humour. Ça plairait à ton mari et tes enfants de faire ces vidéos ou pas, tu penses? Alors après, si je leur dis c'est pour 1000 parents, on va diffuser, ça, je sais pas, mais je pense que ça leur plairait de s'amuser, de faire, ouais, de faire ça. Oui, je pense que de le faire, oui, ça leur plairait. Et t'en penses quoi de peut-être commencer à le tourner, à faire une vraie vidéo? Et puis après, libre à toi et à ta famille d'accepter de la diffuser, mais au moins la vidéo est là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider dans la démarche que tu m'as présentée en début de session, ou est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être plus impactant? Non, je pense que ça, ce serait bien parce que déjà, ça va me permettre de mettre des idées concrètes. Enfin, ouais, c'est encore ma tête qui parle, mais de mettre en mouvement, tu vois, et puis de faire avec eux et de m'amuser avec eux et puis de prendre plaisir et puis de rigoler de nos situations les plus celles qu'on veut cacher sous le tapis, tu vois. Parce que tu vois, cette idée de briller, d'accepter d'avoir les projecteurs sur soi, l'idée, c'est pas non plus de te forcer à aller dans un autre extrême, de faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Ta volonté de mettre en avant les autres en soi n'est pas mauvaise, c'est une histoire de proportion. Est-ce que tu mets les autres en avant pour te cacher ou est-ce que mets les autres en avant parce que en fait ils ont de la valeur et que tu as envie de te mettre en valeur à leur côté. Donc si c'est ça, c'est top. Et peut-être que le faire avec la famille, c'est-à-dire mettre en valeur la famille, les idées, toi, mais tu n'as peut-être pas envie de faire un one-woman show et c'est OK. Ouais, je pense qu'en fait, je suis bien avec les autres aussi dans ce genre de choses. Voilà. OK. Donc, ce que je te propose pour terminer, c'est de peut-être planifier une réunion de 15-20 minutes avec ta famille pour échanger sur cette idée, pour brainstormer. Et puis, à la fin de cette réunion, vous décidez si vous la faites cette vidéo ou pas. Si vous la faites, bah forcément, tu auras l'occasion d'assumer qui tu es dans un cadre sécurisant. Et je pense que ça peut être une très bonne première étape pour potentiellement un jour faire one woman show. Pourquoi pas? Tu vois, tu connais les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tu sais, il y a un Oui, spectacle autour de ça. on avait été le voir avec mon mari. Et bah, peut-être que en faisant ça, ça peut faire naître l'idée de tiens, j'ai peut-être envie de faire un one woman show un jour ou pas, mais au moins ça t'amène vers ça. Ah, Ok, pourquoi pas? Tu me tiens au courant de ce que donnera cette réunion? Ouais, Ok, ça avec peut être plaisir. autour d'un repas, hein, de juste dire voilà, aujourd'hui on va parler de ça si ça vous va et tu prends un stylo et un papier. Ouais, ça marche. Florence, je te souhaite le meilleur, tu me tiens au courant et puis hâte d'échanger avec toi. Est-ce que tu veux apporter une conclusion à cette session? Bah, juste de te remercier et oui, je te tiens au courant sur à la fois l'échange avec ma famille et puis ouais, et puis je prends date avec mon père. Merci pour ouais, tout ce que tu as donné durant cette session et ton partage. Je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt, Lingen. Ciao, ciao, Florence. Ciao.